Alors, coucou tout le monde, je viens faire la guidance pour ce week-end, d'accord? Donc 14, 15 et 16 mai. Voilà, donc c'est les messages, d'accord? C'est la guidance, mais c'est la guidance générale, c'est pas votre guidance personnelle, hein? Voilà, donc on va commencer avec les anges. Voilà, alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour ce week-end? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Alors, on a l'ange de la gloire. Je chante les louanges et la gloire de la source de toute vie. L'ange de la gloire. Hein, d'accord? Voilà. Allez. Alors, ça, c'est le message de nos anges. Alors, maintenant, on va encore faire avec l'oracle des anges. Voilà. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour ce week-end? Donc, 14, 15 et 16 mai, qu'est-ce qui va se passer? Merci les anges de nous donner un message. Voilà, famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Donc, je répète, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptif aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. D'accord? Donc pour moi, il va falloir protéger la famille, d'accord? Il y a des événements douloureux qui vont se passer. Alors peut-être, voilà, pour ceux qui font cette fiole, hein, voilà. Mais écoutez, voyez-les entourés de lumière, d'accord? Protégés par leurs anges, hein? Voilà, voyez la chose comme ça. Alors, alors, pour les guides, ils vous disent de suivre la règle d'or. Bon. Alors, il y a des chaînes d'or, hein, il y a des trolls d'or, voilà. Ben là, c'est la règle d'or, les amis. Voilà. Bon. On est quand même obligé de rire de certaines choses, même si quelquefois, voilà. Bref, allez. Pour communiquer avec son ange gardien. Alors, qu'est-ce que nos anges gardiens ont à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les anges gardiens ont à nous dire, s'il vous plaît? L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'une de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire, d'accord? Donc là, votre ange gardien vous met des plumes, d'accord, sur votre route pour vous faire comprendre des choses. Donc les choses qui se passent en souterrain ou voilà, d'accord? En tout cas, si vous vous posez des questions, voilà, votre ange gardien vous répond comme ça. Alors, ça peut être aussi des heures miroirs et tout ça, hein? Mais les anges gardiens ont des indices. D'accord? Ils vous donnent des indices. C'est à vous à bien regarder. Alors, pour ce week-end, on a activité, enthousiasme. Pourquoi j'ai. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a deux fois la même carte? C'est bizarre, ça. Alors, activité, c'est le moment d'agir. D'accord? Donc ce week-end, il va falloir bouger. On a l'enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Donc, il va falloir rester enthousiaste, d'accord? Mais agir quand même, ok? En fait, il faut agir pour notre bien-être, hein? Vous comprenez avec cette carte, hein? Alors, je ne sais pas, regardez, vous voyez, je ne vais pas tricher. On a deux fois la même carte dans le jeu. Voilà. Donc, ça loge dans l'air, hein? Alors, on a la volonté.
apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Voilà, donc il va falloir être volontaire, hein, et vraiment agir, hein. Vous voyez, on a deux fois agir. Construction, demandez ce que vous désirez. Donc, demandez aux anges, d'accord, de vous aider dans ce que vous avez envie. Et on a la générosité, donnez avec votre cœur. Voilà. Alors, est-ce que les anges ont encore quelque chose à nous dire pour ce week-end du 14, 15 et 16 mai, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on a la confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Restez confiant, d'accord? Il faut que ça se passe, c'est obligé, c'est comme ça. On a le choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. D'accord? Et juste à côté, on a l'indépendance. Libérez-vous des conditionnements. Voilà. Ok? On a le choix. Soit d'être dépendant, soit d'être indépendant. D'accord? Mais pour ça, ah, il va falloir agir, hein, vous avez vu. Voilà. Donc ça, c'était pour les anges. Maintenant, on va demander aux archanges. Alors, quel message avez-vous à nous donner pour le week-end du 14, 15 et 16 mai, s'il vous plaît? Alors, 14, 15 et 16 mai, s'il vous plaît. Alors, qu'avez-vous? Ah, voilà. Alors, il y en a deux qui sont sortis. S'amuser comme tel. S'assumer comme tel. L'ange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà, donc vous devez vous assumer tel que vous êtes, d'accord? Voilà. Et on a, tout va bien, l'archange Jérémie. Tout se déroule extrêmement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. D'accord? Donc, tout se déroule comme prévu. Ok? Et tout se déroule pour quelque chose de meilleur. Voilà. Alors, on va demander au guide de Sonia Choquette. Quel message avez-vous à nous donner pour le week-end du 14, 15 et 16 mai, s'il vous plaît? 14, 15 et 16 mai. S'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner pour le week-end du 14, 15 et 16 mai? Bon, bah écoutez, les guides sont muets. Non, ça y est, les blancs. Alors, en priorité, voilà, en priorité, d'accord, il faut que vous ayez l'Esprit Saint, d'accord, que, voilà, que vous vous reposez. En fait, pendant le repos, il faut bien vider votre esprit, d'accord. Et on a l'estime de soi. Voilà, il faut, c'est une priorité. De se vider la tête, ok? Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner pour le week-end du 14, 15 et 16 mai? Alors, on a la victoire. Donc, peut-être quelque chose qui va bouger, d'accord? Ce week-end. Alors, est-ce... Bon, alors, là, il y en a là, hop. Nouvelle vie, vous voyez, ça va bouger pour aller vers cette nouvelle vie. Donc ça bouge en fait, hein. Même si on n'a pas beaucoup d'infos, c'est normal, hein. C'est comme ça, puisque... Alors, on a la dévotion et l'appréciation. Regardez ce qui se passe niveau terre, eau et tout ça, d'accord? Voilà, appréciez ce qui se passe. La terre reprend ses droits. Ok? Voilà.
Donc ça, c'était pour ça. Et on va demander, voilà. Tiens, on va faire un peu les énergies. Alors, que pouvez-vous nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? Hop, les énergies du week-end. Alors, je vais faire comme ça. Demandez de l'aide, d'accord? Donc, demandez l'aide de l'univers, demandez de l'aide autour de vous, hein, si vous en avez besoin, voilà. Alors, quelle énergie? Alors, il faut équilibrer ses chakras, d'accord? Et faire le bon choix. Il y a des choix à faire, d'accord? Attention, il faut équilibrer bien vos chakras pour bien faire le bon choix, ok? Voilà. Et il faut que vous vous fassiez confiance. Voilà. Alors, voilà pour ça. Et puis maintenant, on va demander réponse angélique, d'accord? Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose ce week-end, 14, 15 et 16 mai? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce week-end? S'il vous plaît, 14, 15 et 16 mai, celle-là peut venir. Affirmez-vous. Ok, alors, affirmez-vous. D'accord? Donc voilà. Il faut toujours dire ce qu'on pense. Hein. Alors, que pouvez-vous nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, on a amélioration de l'état de santé. On a aussi non. Alors non. Bon, ça c'est si vous vous êtes posé une question, hein. Ou alors non, pas d'amélioration de santé, hein. Enfin, ils vont rien faire ce week-end pour voilà. Mais voilà, faut rester dans l'amour, d'accord? Et il faut méditer, comme ça vous aurez toutes les réponses. Voilà. Les cartes qui sont tombées, donc je vous les donne, hein, vous savez comment ça se passe. Donc ça c'est pour un tirage général. Je vais venir vous faire votre guidance personnelle, ok? Et ensuite, sur l'autre chaîne, je vous ferai le tirage. Par contre, je crois que je vais faire un tirage France, parce que j'ai enlevé les continents des cartes. Et après, comme je ne suis pas là aujourd'hui, eh bien, je dois... me dépêcher un petit peu, d'accord? Donc, j'aurai pas le temps de faire 36 tirages. Je suis désolée. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure.